Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Partagez le direct, partagez le direct. Je reviens ce soir parce que il y a des choses souvent qui font mal dans la vie. Amadou Camara, salut à toi. Il y a des choses qui font mal dans la vie. Il y a des choses que pour rien au monde, vous ne pourrez oublier. Et quand vous voyez certains comportements, votre passé vous revient dans la tête. La souffrance de vos parents vous revient dans la tête. Mori Diomandé, salut à toi depuis ta position. J'ai mal parce que il y a des choses que dans la vie, on a souvent des difficultés à expliquer. C'est vrai que ça n'a pas d'importance. Mais ça fait mal sincèrement. Quand je m'assois aujourd'hui et puis je regarde les images d'une personne au Mali, d'une squelette humaine, je ne voulais pas parler, mais j'ai mal. Parce que je sais que hier, je sais que hier, mes parents du Bafing, mes parents Koyara, je sais que hier, mes parents Senoufo, je sais que hier, mes parents du Nord. Salut à toi, ma petite soeur, ma Koya Bafing. Je sais que hier, certains de mes parents ont perdu la vie. Parce que juste, il voulait sauver un voisin. Sachant bien que cette personne-là est un étranger ou bien une étrangère. Certains de nos parents ont perdu la vie. Mais quand je regarde aujourd'hui au Mali et que je vois cette soi-disant Maimouna Camara, dit la guêpe, qui s'assoit au Mali après avoir insulté pendant des années et des années, le président Ouattara. Pendant des années et des années, insulter le président Ouattara et dire matin, midi et soir qu'il est en train de détruire notre pays. Il est en train de mettre notre pays en retard. Il a détruit notre pays. Voir cette personne-là aujourd'hui s'asseoir au Mali, dire que je suis malienne et que j'ai qui est la nationalité? Je suis sans parole, je me trouve dans la position où je dois même demander à mes parents de demander pardon à ces personnes hier qui nous ont dit qu'on n'avait pas affaire à vous. Mais que dans la réalité, vous êtes en train de défendre des personnes qui ne sont pas ivoiriens. Moi, Zulu de Bogota, je ne parle pas des autres personnes. Mais ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, que ça ne se répète plus. Mais moi, le Zulu de Bogota, je ne te connais pas. On n'a pas grandi ensemble. Je ne connais pas ton histoire. Je ne connais pas ton histoire. On n'a pas grandi ensemble. On n'a pas fait l'enfance dans une ville ensemble. Les gens t'accusent d'être étranger et puis sont en train de te faire quelque chose dans ce pays-là. Moi, Zulu de Bogota, on est en train de te maltraiter. Moi, je passe, je ne dis plus rien. Parce que ce que nous sommes en train de payer aujourd'hui, là, au-delà de ce que la guerre est en train de faire au Mali, au-delà de ce qu'elle est en train de faire. Ce n'est pas nous les vivants là. Ce n'est pas à nous que ça fait mal.
Mais nos parents qui hier ont perdu la vie, parce qu'ils ont voulu sauver, parce qu'ils ont voulu protéger un voisin étranger. Ces personnes-là, aujourd'hui, je me pose la question, qu'est-ce qu'ils vont ressentir? Parce que tout le monde se rappelle des attaques de cette fille-là contre nos autorités en Côte d'Ivoire. Tout le monde se rappelle de ces attaques contre nos autorités en Côte d'Ivoire. C'est elle aujourd'hui qui va s'asseoir au Mali pour dire que je suis malien. Mais je comprends. Je comprends aujourd'hui qu'Amira Blindé ne peut pas parler. Je comprends aujourd'hui que Doumbia Zouzou ne peut pas parler. Je comprends aujourd'hui que l'Océanie Kibafori Diomandé ne peut pas parler aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, là, ils se rendent compte. Ils se rendent compte que cette personne-là n'était pas pour eux. Cette personne-là n'était pas pour la Côte d'Ivoire. Mais quelle douleur, quel mal. Quelle douleur, quel mal. Ça dit que nous, nos parents hier, ont accepté. En tout cas, il faudrait qu'on se mette quelque chose dans la tête. Plus rien ne sera comme avant en Côte d'Ivoire. Plus rien ne sera comme avant en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi j'ai dit clair et net. Cette histoire de cadre de séjour en Côte d'Ivoire, je la soutiens aujourd'hui, je la soutiendrai demain. Tiens, matin, midi, soir, tu insultes nos autorités. On a détruit notre pays. On a détruit notre pays. Et puis c'est toi aujourd'hui qui va venir t'asseoir pour dire que toi tu es chose. Je comprends que dans la réalité, c'est cela en réalité qui était dans un autre combat. Mais aujourd'hui là, elle ne défend plus Soro Diom. Hein. Aujourd'hui là, elle a oublié le combat de Soro Diom. Mais je crois que c'est une bonne chose. Je crois que Soro Diom aujourd'hui lui-même devra se poser assez de questions. Je crois que lui-même aujourd'hui devrait se poser assez de questions. Parce qu'avec ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, là. Mais je comprends parfaitement. Je comprends parfaitement. Et je leur donne raison aujourd'hui. Je le dis haut et fort. Moi, Zulu de Bogota, Allahu Akbar. Si tu avais déjà tes documents ivoiriens, alors que dans la réalité, tu n'es pas ivoirien d'origine, ça c'est un autre cas. Mais que moi, Zulu de Bogota, je défende quelqu'un, sachant bien qu'il n'est pas ivoirien, le défendre, pour qu'il rentre en possession de documents ivoiriens, moi, Zulu de Bogota, je ne le ferai plus. Moi, je n'ai pas parlé des autres Ivoiriens. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Parce qu'en réalité, ce que nous sommes en train de payer aujourd'hui, là, c'est ça. Ce dont on nous accuse aujourd'hui, là, c'est ça. Voilà pourquoi je le dis haut et fort. Quand je vois certaines personnes, certains militants du RHDP aujourd'hui s'attaquer à moi parce que peut-être je prends une position par rapport à Charles Blé Goudé.
Je le dis haut et fort. Que tous les militants du RHDP comprennent une chose. Moi, Zulu de Bogota, la personne que je suis là, c'est le président Ouattara. À partir du moment où le président Ouattara lui-même a donné la possibilité à quelqu'un de rentrer en Côte d'Ivoire, moi, personnellement, je n'ai plus à faire parole avec cette personne. Sinon, dans le cas contraire, je vais contre l'histoire de cette personne. Fatou Sirani, salut à toi, ma soeur, depuis ta position. Lassine Koulibaly, salut à toi. Moumouni Savadero, salut à toi. Quand j'ai parlé ici, pendant que le truc du Mali était en train de se passer là, on dit non, j'ai dit moi Zulu de Bogota, je le dis haut et fort. Je vais parler du premier pays classé. Ça dit que moi, Zulu de Bogota, les pays qui sont aux alentours de la Côte d'Ivoire. Le premier pays dont les originaires aiment la Côte d'Ivoire comme leur propre pays, c'est le Burkina. Le reste là, ils vont venir après. Ça là, on ne peut pas enlever ça de ma tête. Je le dis haut et fort. Les personnes qui ont vécu en Côte d'Ivoire et qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire, ça dit qu'ils ont vécu en Côte d'Ivoire et puis ils ne nous aiment pas. Le premier pays aux alentours de la Côte d'Ivoire, c'est le Mali. Et ça là, personne n'est pas enlevé ça dans ma tête. La majorité des Maliens qui sont nés en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qui ont grandi en Côte d'Ivoire, qui ont aujourd'hui les documents ivoiriens, si je dois faire un classement entre les ressortissants des pays voisins qui vivent en Côte d'Ivoire, et qui ne nous aiment pas, le Mali vient en première position. Parce que, pour vous expliquer l'éducation de certains Maliens aujourd'hui, ça dit qu'aujourd'hui, une fille comme la guêpe qui dit que je suis malienne, je suis venue sur la terre de mes ancêtres, mais en tout cas, il faut t'apprêter. Il faut rester sur la terre de ses ancêtres. Seydine Defila, salut à toi, mon très cher petit frère. Merci pour le combat. Partagez le direct et mettez les cœurs. En tout cas, la guêpe, il faut rester dans ton territoire. Parce que je te le dis et je te le répète, il faudrait que ça rentre dans tes oreilles. Déjà, Soro Diop ne sera jamais président en Côte d'Ivoire. Ça, il faut retenir ça dans ta tête. Déjà, Soro Diop ne sera jamais président en Côte d'Ivoire. Deuxièmement, même si le RHDP n'est plus au pouvoir dans ce pays-là, en tout cas, toi, tu ne pourras pas mettre ton pied en Côte d'Ivoire. Il faut retenir ça dans ta tête. Parce que tu peux manquer du respect à tes propres parents, ça c'est tout à fait normal. Tu peux ne pas respecter ta nation, ton pays, ça c'est tout à fait normal. Mais tu ne viens pas manquer du respect au pays des autres. Tu ne viens pas manquer du respect au pays des autres. Ça dit que les paroles te concernant, la squelette humaine, les paroles ne sont rien. Ça dit, il faudrait... C'est bien... Je suis content aujourd'hui, mais ce qui me fait mal dans cette histoire, c'est le fait que nous soyons condamnés aujourd'hui, nous, enfants du Nord, nous soyons condamnés aujourd'hui à demander pardon à certains Ivoiriens. Parce que chaque enfant du Nord, chaque parent du Nord, à un certain moment, de 2000 à 2010, nous avons voulu protéger. Certaines personnes sachant bien qu'ils étaient des étrangers. Mais on a trouvé que nous sommes des êtres humains et qu'il faut les protéger. Mais cela doit cesser. Et que
que chacun ait le courage d'aller parler. Moi, Zulu de Bogota, ça dit que quand je suis là, et puis je vois un Burkinabé parler dans la politique ivoirienne, ça ne me fait pas mal. Sincèrement, moi, ça ne me fait pas mal. Elle-même là, qui est en train de parler, tu es parti dans ton pays d'origine, tu es là, tu es en train de faire vidéo, tu es en train de faire les photos. Mais tu sais en âme et conscience que la différence entre la Côte d'Ivoire et ton pays dont tu es en train de te vanter aujourd'hui là, tu sais qu'il y a une différence de minimum 200 ans. Ça dit que c'est la confirmation de l'ingratitude. Ça dit le comportement aujourd'hui qu'on voit de la squelette humaine. Le comportement aujourd'hui qu'on voit d'elle. C'est la confirmation de l'ingratitude de ce peuple. Sirani, Fatou, c'est une réalité. Moi, je connais certains frères ivoiriens qui étaient au Mali quand la Côte d'Ivoire a perdu la finale de la Coupe d'Afrique contre la Zambie. Les gens ont fêté au Mali comme si c'est eux qui avaient remporté une coupe. Ça dit, ils ont chanté, ils ont fêté au Mali, ils étaient contents comme si le Mali venait de remporter une Coupe d'Afrique. Ils étaient contents. Comme si le Mali venait de remporter une Coupe d'Afrique. Mais voilà pourquoi je m'assois et puis je ris. Quand je regarde le comportement de certains Maliens, c'est inadmissible quoi. Papin Diaby, salut à toi. Abbas Diré, mon jeune frère, salut à toi. Hein? La Côte d'Ivoire perd la Coupe d'Afrique contre la Zambie. Et c'est le Mali qui est en joie. Ça dit le Mali en joie parce que la Zambie a remporté une Coupe d'Afrique contre la Côte d'Ivoire. Le Mali en joie. Aïe. Adama. On peut faire ça. Mais c'est tout à fait normal. Quand tu sais dans la réalité, ça dit que tu peux parler. Tu peux parler pour animer. Mais quand tu sais en âme et conscience qu'un pays, son aller-retour, son gauche-droite est mieux que toi, c'est tout à fait normal que tu sois jaloux. Voilà pourquoi c'est eux qui sont toujours dans le pays des gens. Bon, voilà des exemples. Ça dit que toi, tu es resté là en train de dire à nos autorités en Côte d'Ivoire, Alassane va détruire notre pays. Alassane va détruire notre pays. Alassane va détruire notre pays. Aujourd'hui, tu viens t'asseoir, tu dis non que toi, tu es malienne d'origine. Mais je vais vous dire, mes frères maliens, je comprends qu'il y a certains parmi vous qui n'aiment pas le Mali. Abbas Diré, Seydine Defila, je fais mes recherches, je m'assois et puis j'analyse. De vous à moi, si ce n'est pas un problème d'inconscience, j'ai entendu qu'il y a des Koné maliens, j'ai entendu qu'il y a des Dembélé maliens, j'ai entendu qu'il y a des Bamba maliens, il y a des shérifs maliens, il y a des Traoré maliens. En tout cas, si les camarades existent au Mali, ça peut exister. Mais je sais qu'il n'y a pas assez. Mais il y a un problème. Ce que le Malien aujourd'hui doit se poser comme question dans la réalité. Ce que le Malien doit se poser en réalité comme question. Parce que si un Burkinabé ou bien si un Ivoirien a acquis la nationalité française et puis il va en Côte d'Ivoire, il ne se promène pas à Abidjan pour dire que je suis Ivoirien. Pour vraiment montrer aux Ivoiriens qu'il est Ivoirien, il ne s'arrête pas à Abidjan. Parce qu'Abidjan, c'est la capitale. Il va dans son village. Ça veut dire que jusqu'à preuve du contraire, la squelette humaine est en train de jouer avec l'esprit.
de certains Maliens qui ne réfléchissent pas beaucoup. Parce que jusqu'à preuve du contraire, tu ne fais que te promener au Mali. Mais jusqu'à preuve du contraire, tu n'es pas encore allé dans ton vrai village. Tu n'es pas encore allé dans ton village. Jusqu'à preuve du contraire, tu te promènes dans la rue de Bamako. Tu dis à ces Maliens, ignorant que toi, tu es Malien. Et puis les gens t'applaudissent. Mais jusqu'à preuve du contraire, tu n'as pas encore démontré devant ces personnes-là. Tu n'as pas encore pris la route de ton village au Mali. Mon jeune frère Abbas Diré, est-ce que ce que je suis en train de dire, c'est faux? Parce que moi, mon vrai problème, moi, je sais en âme et conscience, Camara Maïmouna, dis la guêpe, arrête de dire aux Maliens que tu es Malien. Tu sais en âme et conscience, même ton père dans ta tombe est en train de te maudire parce que tu sais que tu n'es pas Malien d'origine. Tu sais en âme et conscience que tu es Guinéenne, tu le sais en âme et conscience. Parce que tu ne seras pas capable de montrer ton village au Mali. Tu ne seras pas capable de montrer ton village au Mali. Tu n'as pas de village au Mali. Tu es guinéenne et tu le sais en âme et conscience. Tu es guinéenne, tu le sais en âme et conscience. Tu es guinéenne. Mais le vrai problème, c'est quoi? Est-ce que hier, comme tu as aujourd'hui le courage de dire que tu es malien d'origine, on te concède cela? Mais il y a un problème. Ceux qui dirigent aujourd'hui le Mali, c'est des gens qui ont fait des coups d'État. C'est des putschistes. Et tout le monde le sait. C'est des putschistes. Ceux qui dirigent aujourd'hui le Mali, là, le président ivoirien a travaillé mieux que eux dans son pays. On espère que tu auras le courage de sortir et de venir dire que ton pays d'origine, la terre de tes ancêtres là, c'est ça. Je le dis haut et fort aujourd'hui, je suis convaincu que pendant qu'il y avait la crise en Côte d'Ivoire, je suis convaincu qu'il y a des Maliens qui ont fait sacrifice. Il y a des Maliens qui ont demandé à Dieu de faire en sorte que la crise qui est en Côte d'Ivoire ne finisse pas. Parce que eux, ils prospèrent dans la douleur des autres. On a vu des Maliens ici dire, pendant qu'il y avait la crise en Côte d'Ivoire, que si ce qui s'est passé, c'est-à-dire la rébellion qui était en Côte d'Ivoire, que si la rébellion a été au Mali, qu'ils ont des bérets rouges, ils ont des commandos, en un seul jour, ils vont finir avec la rébellion. Mais c'est eux aujourd'hui, là, depuis 2012, depuis 2012, les trois tiers du Mali sont dans la main de l'Azawad. Mais jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont pas encore été capables pendant qu'ils ont des commandos. Mais quelques années plus tard, c'est en 2020, 2012 là, que nous allons nous rendre compte que dans la réalité, il n'y avait pas de commandos au Mali. En 2012, seulement en 48 heures, le Mali avait perdu une moitié de ses soldats. Un pays qui continue d'être dirigé par des colonels climatisés. Aujourd'hui, le problème de la Côte d'Ivoire est fini. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est que nous on attend là. On a dit en Côte d'Ivoire qu'on va donner la carte de séjour. Mais jusqu'à preuve du contraire, malgré on dit on va donner la carte de séjour là, je n'ai pas encore vu les Maliens. Je n'ai pas encore vu ces cyberactivistes maliens demander à leurs parents de dire, comme ils disent qu'ils vont donner carte de séjour dans leur pays là, quitter leur pays. Jusqu'à présent, on n'a pas encore vu. Hein. On n'a pas encore vu. Je suis convaincu aujourd'hui
que pendant que le Burkinabé est en train de dire hier, que Dieu fasse en sorte que la Côte d'Ivoire retrouve la paix. Pendant que le Guinéen est en train de dire hier, que Dieu fasse en sorte que la Côte d'Ivoire retrouve la paix. Pendant que hier, le Ghanéen est en train de dire que Dieu fasse que la Côte d'Ivoire retrouve la paix. Pendant que le Libérien est en train de dire que Dieu fasse que la Côte d'Ivoire retrouve la paix, je suis convaincu aujourd'hui qu'il y a des Maliens, dans leur haine vociférée contre la Côte d'Ivoire, leur haine caractérisée contre la Côte d'Ivoire, ont certainement signalé même la position de certains de nos frères qui étaient dans la rébellion. Je le dis haut et fort. Ils ont dit que nous, les soldats ivoiriens, étaient des femmes. Mais voilà des gens aujourd'hui qui pleurent matin, midi et soir. Voilà des gens aujourd'hui qui sont dirigés par ceux-là qui considéraient comme des grands militaires, des hauts colonels, qui ont fait toute leur formation dans la vie, mais qui sont cachés aujourd'hui et qui ne sortent pas. Partagez le direct et mettez les cœurs. Partagez le direct. Et c'est ceux-là qui vont venir parler devant nous. Partagez le direct. Salut, chers frères. J'espère que vous êtes connectés. Partagez le direct. Mettez les cœurs. Mais c'est tout à fait normal. C'est eux qui parlent. On va quitter la CEDEAO. On va faire comme ça. On a le diamant. On a l'or. Si vous faites comme ça, on va sortir. On vous connaît. Tout ce que vous avez fait là, vous êtes champion d'en faire de parler. Ça veut dire que si tu ne fais pas attention, même un Américain, si tu ne fais pas attention, si le Malien parle devant toi, si tu ne fais pas attention, tu déposes ta nationalité des États-Unis, tu dis non, je deviens Malien. Oui. Quand le Malien parle devant toi, si tu ne fais pas attention, même un Américain, tu déposes ta nationalité américaine et puis tu dis non, je deviens malien. Oui. Je le dis. Même le président américain, s'il ne fait pas attention, s'il parle avec les autorités maliennes, parce que c'est un don qu'ils ont. Le don du mensonge. Le Malien va voir que l'immeuble qui est arrêté à Bamako, là, c'est blanc. Tout le monde voit que c'est blanc. Même l'histoire dit que c'est blanc. Mais le Malien va te convaincre à te faire comprendre que c'est jaune. Oui. Et tu vas le voir. Il est en train de se battre. Il est en train de chercher à te convaincre. Parce que selon lui, c'est que lui, il est en train de te dire là, c'est vrai. Mais lui-même, il voit que c'est blanc. Mais il va te convaincre. Il va te faire comprendre. Il va te faire comprendre que c'est une peinture. Que quand ça sort, c'est blanc. Mais quand tu mets sur le mur, d'ici demain matin, ça va devenir jaune. Oui. Ils ont un problème avec la vérité. Moi, en tout cas, je ne parle pas des autres Ivoiriens. Mais moi, Zulu de Bogota. J'ai dit, je ne parle pas où. Même mes frères qui étaient en Tunisie, je leur ai dit, je n'ai pas payé billet d'avion de quelqu'un pour aller en Tunisie. De la même manière, tu es parti là. Ça veut dire que toi, tu vas te lever. Tu vas partir t'asseoir en Tunisie. Et puis demain, tu as problème. Déjà, l'État de Côte d'Ivoire prend un avion pour aller te prendre. Ça ne te suffit pas. Mais c'est toi qui vas venir prétendre.
Toi qui as violé la loi de la Constitution, toi qui as manqué du respect à tes autorités, c'est toi qui vas venir t'asseoir et poser des conditions. Non, non, non. Tu ne peux pas nous poser des conditions. Parce que ce n'est pas les autorités de notre pays qui t'ont dit, va en Tunisie. Ce n'est pas eux qui vous ont dit d'aller dans les pays Maghreb. Je le dis haut et fort, tu vas chercher quoi? Même quand tu regardes le visage du président tunisien, quand tu regardes son visage, on n'a pas besoin de te dire que si celui-là dirige un pays, c'est un pays de désordre. Même quand tu regardes son visage, c'est déjà suffisant pour que tu comprennes quelle mentalité les personnes gouvernées par un être humain de ce genre-là peuvent raisonner. Mais ça me plaît. Quand je vois aujourd'hui la position de la guêpe, ça me fait beaucoup plaisir. Parce que ces xénophobes aujourd'hui, là, ces xénophobes qui aujourd'hui étaient de Goyer et qui aujourd'hui soutiennent Sorodium et qui sont là matin, midi et soir, j'espère qu'ils ont compris aujourd'hui que s'il y a des gens qui se sont fait passer pour des enfants du Nord alors que dans la réalité ils ne sont pas enfants du Nord, je pense qu'ils ont compris aujourd'hui que ces personnes-là se trouvent dans leur propre camp aujourd'hui. Donc, je pense que ça va servir de leçon à ces soroïstes. Parce que quand les gens étaient en train de parler, on me dit non, non, le discours des étrangers, on doit quitter dedans. On ne peut pas quitter dedans. Hein. On ne peut pas quitter dedans. Depuis que des Maliens nés en Côte d'Ivoire, grandis en Côte d'Ivoire, pendant que certains Maliens étaient en train de nous insulter, dénigrer le pays, étaient assis et ils n'ont pas réagi. On ne peut pas venir me dire après, faut pas on va parler de ça. Je le dis haut et fort, mes frères ivoiriens, mes soeurs ivoiriennes ont été arrêtés par des autorités maliennes barbares. Moi, Zourou de Bogota, les autres Ivoiriens n'ont qu'à oublier, mais moi, Zourou de Bogota, je n'oublie pas. Oui? J'ai pardonné, mais je ne vais pas oublier. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je n'oublie pas. Si toi tu veux, il faut oublier. C'est ton droit. Mais moi, Zourou de Bogota, il ne faut pas venir me demander d'oublier. Voilà. Moi, Zourou de Bogota, il ne faut pas venir me demander d'oublier. Parce que moi, je ne t'ai pas demandé d'oublier. Toi, tu as oublié, c'est ton problème. Mais moi, tu ne peux pas me mettre dedans. Tu ne peux pas me demander de faire le même combat que toi. Non, non, non. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais moi, je ne comprends pas. Souvent, je vois la réaction de certaines personnes. Non, Zourou de Bogota, vraiment, moi-même, je suis malien. Mais mon frère, est-ce que moi, je t'ai dit que j'ai un problème avec toi? Ah, tu aimes ton pays? Ah, ok, j'ai compris. Sinon, hier, quand ils ont arrêté nos soldats, là, tu te cachais dans l'ombre. Tu allais faire les faux Facebook. Et puis, tu partais commenter les vidéos des personnes qui s'attaquaient à mon pays. Mais j'ai fait semblant de ne pas te voir. J'ai fait semblant de ne pas te voir. Mais je t'ai vu. Et à partir de cet instant-là, je me suis dit, c'est bon. J'ai compris. C'est bon, j'ai compris. Il n'y a pas de problème. Aime ton pays. Mais ce que tu es en train de me dire, là, tu es en train de me faire comprendre. Tu es en train de m'éduquer. Tu es en train de me dire dans la réalité, Zourou de Bogota, ouvre tes yeux. Quel que soit le temps que je vais faire chez toi ici, Zourou de Bogota, je ne peux pas aimer ton pays que mon pays. Et moi, je ne t'ai rien dit. Je t'ai regardé. Et j'ai vu. Je n'ai rien dit. Je pense qu'aujourd'hui, là, avec le comportement aujourd'hui que la guêpe a, Sorodium aujourd'hui devait rentrer dans un trou. C'est comme quand je vois certains militants du RHDP me dire, Zourou de Bogota, je préfère pardonner à Sorodium que Charles Blé Goudé. Mon frère, c'est ton droit. On est en politique. On est en politique. Voilà. Tu es libre de faire ce que tu veux avec ta propre conscience. Mais je suis libre de faire ce que je veux avec ma propre conscience. Pour moi,
Ce que Charles Blanc Goudé a fait, on était dans un moment où personne ne pouvait se retenir. Chacun était en train de défendre sa position. Et tous les Ivoiriens dans leur majorité, tous les Ivoiriens dans leur majorité souhaitent que ce que nous avons vécu de 2000 jusqu'en 2010, que la Côte d'Ivoire ne revive plus cela. Et Charles Blanc Goudé aujourd'hui se met dans cette position. Par contre, Soro Diom s'est mis dans une position où il allait encore plus loin pour dire que nous avons menti. Pour dire que nous avons menti, Soro Diom. S'est mis dans une position pour dire que nous, on a menti. Les Soros se sont mis dans une position pour dire que nous, on a menti et qu'on n'a rien subi dans ce pays-là. Et que bien au contraire, le président Ouattara n'avait pas raison. Et que nous n'avions pas raison hier de nous défendre. Donc moi, Zulu de Bogota, hier, je me rappelle bien. Hier, je me rappelle bien. Des pro-Gbagbo, hier, ont accepté de parler avec Soro Diom. Merci à toi, mon frère Bamba Sogui. Ont accepté de traiter avec Soro Diom pour dire, parce qu'il était dans une position où il était en train de s'attaquer au président Ouattara. Moi, Zulu de Bogota, je suis sorti, j'ai dit, ceux-là, ils n'aiment pas Soro Diom. Ceux-là n'aiment pas Soro Diom. Mais je sais ce qu'ils sont en train de faire. Mais aujourd'hui, Dieu merci, grâce à la bénédiction de mes parents, j'ai eu raison de ce que j'ai dit hier. Grâce à la bénédiction de mes parents, j'ai eu raison. Aujourd'hui, on ne le démontre pas A plus B. Donc si moi aujourd'hui, Charles Blanc Goudé hier, qui s'est battu pour Laurent Gbagbo, aujourd'hui Charles Blanc Goudé est en train d'être attaqué. Au-delà du fait que nous soyons en politique, mais il y a une réalité qui est là. Dans la réalité, il y a une réalité qui est là. Et cette réalité-là, elle est incontournable. Elle est incontournable. Qu'on le veuille ou pas, mon frère militant du RHDP, que tu le veuilles ou pas, en matière aujourd'hui de numéro en Côte d'Ivoire, ce que Charles Blanc Goudé est capable de mobiliser, Soro Diom ne peut pas mobiliser. La preuve en est que ils peuvent mentir, ils peuvent raconter les bêtises. En Côte d'Ivoire, il y a la dictature. En Côte d'Ivoire, c'est comme ça. En Côte d'Ivoire, c'est comme ça. On ne nous laisse pas marcher. Mais est-ce qu'à Paris, on les empêche de marcher? Est-ce qu'en Europe, là, on les empêche de marcher? Je l'ai dit hier, moi, depuis fort longtemps, j'ai dit, la période de 2010, là, c'est passé. Allons vers la paix. Voilà pourquoi j'ai dit hier, je le dis et je le répète, moi Zulu de Bogota, je ne peux pas aller m'asseoir avec mes frères militants du FPI, sachant que dans la réalité, ce que Soro Diom et ses cyberactivistes sont en train de sortir de leur bouche, ce n'est pas vrai. Je l'ai dit depuis fort longtemps. Pendant que, hier, ils étaient dans leur histoire de Dream Team, de ça, j'ai dit à mes frères militants du FPI, j'ai dit ceux-là, ils ne vous aiment pas. Ils n'aiment pas Gbagbo. Ce qu'ils sont en train de faire, là, ils sont en train de chercher à vous manipuler. Parce que selon eux, la position dans laquelle Gbagbo se retrouve aujourd'hui, là, ils veulent profiter de vous pour que Soro Diom prenne le pouvoir. Ils m'ont dit non, laissez les Zoulous de Bogota. Il y a d'autres mêmes qui ont... Mais aujourd'hui, là, eux tous, ils sont d'accord avec moi aujourd'hui que ce que Zoulous de Bogota a dit hier, c'est la vérité. Et je les ai mis au défi ici. J'ai dit, vous êtes allés soutenir hier les pro-Gbagbo pour organiser les manifestations. Non. Il ne faut pas vous aller venir nous dire que vous êtes allés les aider. Parce que pendant 8 ans, pendant 7 ans, ils étaient dans leur combat. À chaque fois qu'ils doivent quitter France, à chaque fois qu'ils doivent quitter l'Italie, ils alignaient les cas pour aller voir Laurent Gbagbo. Les pro Soro Diom n'étaient pas là. Ils ont mené leur combat seuls. Ils ont mené leur combat seuls. Mais... Je mets les Soros aussi au départ,
Je vous mets aujourd'hui au défi. Vous ne pouvez même pas remplir Baka en Europe ici pour aller soutenir Sorodium quelque part. Salut à toi, mon très cher frère, le Yakuba International, Black Moro, salut à toi. Je le dis fort. Moi, Zulu de Bogota, j'ai dit, hier, je ne pouvais pas aller saluer Charles Blé Goudal à la CPI parce que je ne vais pas aller m'asseoir devant un frère. Sachant bien que dans la réalité, c'est vrai, je n'ai pas fait la prison, mais je sais que ceux qui ont fait la prison là savent que c'est une douleur. Aller m'asseoir devant lui, oui, mon frère, tu sais, je veux que tu sortes de cette prison. Le président Sorodium nous a envoyé de venir t'apporter son soutien. Hier, là, il était plus facile pour Sorodium d'apporter son soutien qu'à Charles Blé Goudal était au Ghana. Oui, oui. Il était plus facile pour lui d'apporter son soutien à Charles Blé Goudé quand il était au Ghana. Il ne l'a pas fait en ce moment. Parce qu'il a considéré qu'en ce moment, Charles Blé Goudé ne peut rien l'apporter. Parce que lui-même, son vrai souhait, il sait en âme et conscience que s'il y a un changement de génération en Côte d'Ivoire, tout le monde sait, je le dis haut et fort. Tout le monde sait, tout le monde le sait, en âme et conscience. Le dernier militant, le dernier militant du COGEP, j'ai dit le dernier militant, ça dit la personne qui ne connaît rien dans le débat. Ça dit que le dernier militant du FPI, du, comment on appelle, du COGEP, qui ne connaît pas, qui ne peut pas débattre en matière de politique, tu le prends, tu le déposes devant un cyberactiviste pro-Soro, il va faire sa sauce propre. J'ai dit, prends le dernier militant du COGEP qui n'a aucune notion de la politique. Ils n'ont qu'à s'asseoir pour faire débat avec un activiste de Sorodium. Ils vont faire leur sauce. Je l'ai dit et je le répète. Depuis fort longtemps, on est en train de parler de ça. J'ai dit ici un jour, regardez l'histoire, comment c'est en train de se passer. Charles Blé Goudé, de temps en temps, il est invité sur France 24, France 2, invité. Mais depuis 2020, quand Sorodium a commencé à parler, et que le président français lui a dit, il faut fermer ta bouche, sinon pardon, ferme ta gueule, sinon tu vas, je vais te prendre de suite, et puis je vais appeler l'ambassade de Côte d'Ivoire, on va te mettre dans un avion pour te faire retourner dans ton pays. Dans ton pays. Est-ce que vous avez entendu encore Sorodium parler? Toi, tu vas devenir président d'un pays, ça fait 3 ans aujourd'hui que tu ne sois pas pour parler. Il y a beaucoup de choses qui se passent en Côte d'Ivoire. Pourquoi ils ne sont pas pour parler? Pourquoi ils ne sont pas pour parler? Et je vois des gens qui sont là. Non, il faut pardonner Sorodium. Il faut faire comme ça. Mon frère, Sorodium, il est où? Est-ce que Sorodium, il est à la marque en Côte d'Ivoire? Je peux comprendre que vous nous parlez de comment on appelle, de Peter 007. Mais est-ce que Sorodium, il est où? Qui l'a arrêté? Qui a arrêté Sorodium? Est-ce que Sorodium a pris Air France et puis on a dit non? Les autorités ivoiriennes disent ne pas partir en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est son pays. Il n'a qu'à prendre son billet d'avion et puis il va partir. Vous êtes là, non? On va se mettre ensemble. Soit aujourd'hui, je vois des activistes pro-Soro qui sont là. Oui, avec ce qui est en train de se passer, on n'a qu'à se mettre ensemble. Hein? À chaque fois, vous demandez aux gens de se mettre ensemble quand vous avez échoué. C'est quand vous avez échoué, là. Vous voulez que les gens viennent vous aider, on va se mettre ensemble. Non, on te met ensemble sur quelle base? La politique, c'est un problème d'idéologie. On ne partage pas la même idée. On ne voit pas la politique dans le même sens. Charles Blé Goudé a été clair la dernière fois dans son interview. Il dit, quand j'ai reçu Sorodium, quand il est venu me voir, il a dit quelque chose qui est important. La raison pour laquelle Sorodium est parti voir Charles Blé Goudé après 8 ans à la CPI, là, c'était quoi? Non, après 8 ans, le fait que lui, il aille voir Charles Blé Goudé à la CPI, la vraie raison là, c'était quoi? Parce que Charles Blé Goudé, pendant sa première année, sa deuxième année, sa troisième année, quatrième année, cinquième année, sixième année, septième année, huitième année, neuvième année à la CPI, Sorodium avait la possibilité, il venait à chaque fois en Europe ici, que Sorodium nous montre une seule personne à qui il a donné un message un jour, juste seulement de dire, mon frère Charles Blé Goudé, tu as mon bonjour, je te soutiens. Espérons que tu sors de cette situation. Il ne l'a jamais fait.
Parce qu'à ce moment, ce qui était important pour lui, c'était d'abord de profiter de son pouvoir. Il était président de l'Assemblée nationale. Il était président de l'Assemblée nationale. Il a posé quel acte? Il n'est jamais allé saluer Charles Blé Goudé. Mais Soro Diop se rappelle, 7 ans après, 8 ans après, 9 ans après, qu'il a un frère, un ami. Celui-là même qui a été son secrétaire à l'organisation quand il était secrétaire général de la FECI. Du nom de Charles Blé Goudé, qui est à la CPI. 7 ans après, 7 ans après, Charles Blé Goudé a fait 8 ans, 9 ans à la CPI. Mais jamais, malgré tout ce qui se passait, malgré on a voulu pousser sa femme, malgré on a dénigré sa femme, Charles Blé Goudé n'a jamais ouvert sa bouche un jour pour dire que les actes que j'ai posés là, c'est Laurent Gbagbo qui m'a mis dedans. Pendant 8 ans. Mais regardez le cas de Soro Diop. Ça dit, 4 mois seulement, 4 mois seulement que lui-même, 4 mois même c'est trop, une semaine après que lui-même il ait abandonné le fauteuil de président de l'Assemblée nationale, tu te rendais compte qu'on n'avait plus affaire à une personne normale. Tu te rendais compte que c'était un début de folie. Tu te rendais compte que c'est un début de folie. Il est assoiffé par le pouvoir. Il est assoiffé par le pouvoir. Il est assoiffé par le pouvoir. À force d'être pressé, regardez aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est devenu? Regardez aujourd'hui, à force d'être pressé. Je le dis haut et fort, en 2020, il y a un imam qui a prêché et qui a dit, je voulais lancer un message à Soro Diop, parler à Soro Diop, un jeune qui s'assoit et qui insulte les promotionnaires de son père. Aïe, toi tu vas venir d'après les gens en Côte d'Ivoire. Kono, mon fils, toi tu n'as pas volé l'argent de quelqu'un d'autre, c'est l'argent de Ouattara, toi tu vas voler. Ça dit que toi Soro Diop, tu vas démissionner de la présidence de l'Assemblée nationale, croyant que tout l'argent du pays que tu as ramassé pour venir mettre dans les fonds comptes en Europe ici, là, le président Ouattara n'est pas au courant. Toi, tu penses que le président Ouattara n'est pas au courant. Ça dit que chaque jour que toi, Soro Diop, tu fais un virement sur ton compte, chaque jour que tu fais partir les millions sur le compte, ça dit que l'argent là n'est même pas encore arrivé dans ton compte. Le président Ouattara est déjà informé. Chaque fois qu'on t'envoie en mission, c'est les mallettes d'argent que tu prends. Parce que selon toi, tu avais trouvé un coin sûr où tu allais partir déposer cet argent. Mais mon frère, voilà toi aujourd'hui. Même carte de crédit, tu n'as pas. Même carte de crédit, tu n'as pas. Tu t'assois aujourd'hui, tu fais ton compte. Tu te dis que j'ai l'argent ici, mais tu ne peux pas toucher. Et tu ne peux pas aller te présenter dans un tribunal aussi pour dire que j'ai déposé mon argent dans telle banque. On ne veut pas me donner mon argent. Parce que toi-même, tu sais la procédure que tu as utilisée pour déposer cet argent-là. Tu sais que ça ne peut pas aller quelque part. Tu sais que ça ne peut pas aller quelque part. Ça ne peut pas aller quelque part aujourd'hui, ça ne peut pas aller quelque part demain. Tu le sais en âme et conscience. Ça dit que la première fois où tu te présentes chez un avocat pour dire que toi tu veux porter plainte contre une telle banque parce que tu as déposé ton argent, tu veux prendre ton argent, on ne veut pas te donner ton argent. Le même jour là, ça dit que tu es encore chez ton avocat là. En même temps, la police et puis la gendarmerie viennent, on te prend et puis on t'amène en Côte d'Ivoire. Oui? On te prend et puis on t'amène en Côte d'Ivoire. C'est toi, Soro Diop, qui va venir t'asseoir. Salis la mémoire de nos parents. Toi, un criminel. Toi, Soro Diop, tu vas venir t'asseoir pour salir la mémoire de nos parents. Insulter la souffrance de nos parents. Vous avez fini votre bouche là aujourd'hui. Aujourd'hui, là, en France, vous ne pouvez même pas réunir 12 personnes.
Vous ne pouvez même pas réunir 12 personnes. C'est ça la réalité. C'est ça la vie. Voilà. Chers frères et sœurs, c'était votre frère, le Zoulou de Bogota. Je vous remercie. Bonne soirée à vous. Je suis de retour. Partagez le direct et mettez les cœurs. Partagez et mettez les cœurs. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège.